Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Méditerranée pour une édition commune Provence-Alpes et Côte d'Azur dont voici le sommaire. La marche des sans-papiers qui arrivent dans notre région. Ils étaient aujourd'hui en Avignon pour réclamer la régularisation des travailleurs clandestins et de leurs familles. Ils sont partis de Paris le 1er mai pour une marche qui doit les mener jusqu'à Nice dimanche prochain à l'occasion du sommet franco-africain. Et ça y est, ils sont arrivés dans notre région. Une centaine de sans-papiers étaient en Avignon aujourd'hui pour demander la régularisation de tous ceux qui, comme eux, travaillent et vivent en France depuis des années dans la clandestinité. Laure Bolmont, Olivier Gerbi. Tourner ces remparts qui les empêchent de devenir français à part entière, c'est l'objectif de ces 92 marcheurs, entrés en lutte sous l'égide de leur ministère imaginaire, le ministère de la régularisation de tous les sans-papiers. Pour la plupart originaires de pays africains, âgés de 20 à 55 ans, ces hommes vivent en France, travaillent et cotisent depuis de nombreuses années, pour certains depuis plus de 15 ans, principalement dans les secteurs de la restauration ou de la collecte d'ordures ménagères. Aujourd'hui, ils ont pris leur bâton de pèlerin pour demander ce qu'ils estiment être leur dû, la citoyenneté française. Vous savez, moi ça fait 10 ans que je suis dans la lutte, j'ai jamais été verbalisé. Mais pourtant, je suis resté 13 ans et demi sans papier. Pour moi, les lois, ça ne me fait pas peur. Il faut se battre au bout. Moi, j'ai eu 12 ans d'interdiction de séjour. J'ai eu la prison à défaut de papier. Aujourd'hui, j'ai ma carte de résident. Ces camarades-là, s'ils continuent, demain, ils seront régularisés. À son arrivée à Nice le 31 mai prochain, ce collectif de sans-papiers entend être reçu au sommet franco-africain par les chefs d'État pour les renvoyer à leurs responsabilités politiques. Pour que les États français et africains coopèrent sur les solutions qui permettent à ces gens-là d'avoir une citoyenneté entière et pleine partout, chez eux et chez nous. Et plutôt que de collaborer sur une politique d'expulsion. En attendant, et comme chaque jour depuis leur départ, les marcheurs font des rencontres avec des citoyens solidaires et dansent pour oublier que le gouvernement français ignore jusqu'ici leur action.